qui remplit la feuille de score qui est là. D'accord ? Un point, deux points, trois points, hop, on change de côté. Un point, deux points, trois points et on continue. Je vous ai expliqué la semaine dernière, vous vous rappelez. Feuille de score, il annonce le score, il remplit la feuille. D'accord ? Ça, c'est le numéro 2. Aller là-bas. Là-bas les portées, c'est aussi lui qui indique. Alors, monsieur Rosier, comment se passe cette formation ? Ça se passe bien, mais il y a beaucoup de monde. Donc, pas qu'on perde de temps sur les installations parce que c'est un petit peu compliqué. Quelle est la difficulté, la mise en place de ce genre de choses ? Gérer le monde. Gérer le nom. S'ils étaient la moitié, ça serait beaucoup plus simple. En vue de la préparation du championnat du monde ? Oui, enfin c'est la formation pour tous nos jeunes des AS. Et ensuite, on prendra les meilleurs pour le championnat du monde. Ça, on verra plus tard. On verra après. L'arbitrage, c'est dur ? Ça peut arriver. Marielle ! Les feuilles de marquage, vous les faites asseoir. Pour moi, c'est normal, je connais à peu près tout. C'est tout le moment qu'on les rappelle. Mais il y en a des choses, nous, qu'on apprend aujourd'hui. Qu'est-ce que le premier arbitre doit faire, le deuxième, et le reste. Voilà. C'est une bonne chose. Ouais, parce que si tu vas arbitrer et tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu peux pas démarrer un match parce que les joueurs ils vont vouloir te casser le rythme. Tu ne vas pas pouvoir terminer ton travail. La formation se passe bien ? Super. Maintenant, madame ? Trop d'élèves. Madame. Mais c'est bien. Maintenant ? Oui, tu siffles et tu dis à ton premier arbitre. Changement de terrain. Madame, pourquoi tu as mis le 1 là ? J'ai mis le 1 là parce que là, il marque 4 points d'affilée. D'accord ? Ok, donc là, ils ont marqué le point, tu mets. Tu expliques, la balle était dehors.